Sur Variance FM sur le 103.7, je m'appelle Jerry, vous pouvez nous appeler au 04 73 94 18 05. Kyoto du groupe R. Tiré de la musique du film Lost in Translation de Sofia Coppola. Laisse terminer le morceau. Donc nous sommes le 14 septembre 2017, c'est le jour du maïs dans le calendrier républicain. C'est également aujourd'hui qu'on fête les corneilles, les cypriens, les dantes. C'est la fête de la Sainte-Croix, le dicton du jour à la Sainte-Croix, cueille tes pommes, gaule tes noix. On souhaite l'anniversaire aujourd'hui de Martin Fourcade, le biathlète français né en 1988. C'était également l'anniversaire de la chanteuse britannique Amy Winehouse. La citation du jour, parler est un besoin, écouter est un art, c'est une citation qu'on doit à Goethe. Dans l'histoire, le 14 septembre a été marqué par des événements relativement tragiques, puisqu'en 1927, Isadora Duncan, la célèbre danseuse américaine, est morte accidentellement sur la promenade des Anglais. Malheureusement pour elle, sa longue écharpe s'était coincée dans la roue arrière de sa voiture. Elle a donc été étranglée et éjectée du véhicule. Et quelques années plus tard, en 1982, également sur la Côte d'Azur, la princesse Grace Kelly de Monaco décédait encore dans un accident de la voiture. Donc aujourd'hui, c'est pas une bonne journée pour prendre la voiture, en tout cas sur la Côte d'Azur. Donc la première demi-heure vient de commencer. Le but de cette première demi-heure, c'est de vous faire partager un certain nombre de morceaux de musique électronique. Donc on a commencé avec Air, avec Alone in Kyoto. Nous allons continuer avec de la musique française électronique, avec un groupe antibois qui s'appelle M83, qui a composé la musique du film Oblivion. Et le morceau s'appelle I'm Sending You Away. Donc je vous laisse écouter ce morceau du groupe Antibois Oblivion qui cartonne à l'étranger et aux États-Unis notamment. Thank you.
Vous écoutez Variance FM, nous venons d'écouter le groupe M83, un groupe anti-bois qui cartonne aux États-Unis, qui vend des millions de disques là-bas. Le morceau que nous venons d'écouter s'appelle I'm Sending You Away. C'est tiré de la musique du film Oblivion avec Tom Cruise qui est sorti en 2013. Donc c'est un groupe français qui s'est formé dans le sud de la France et qui maintenant cartonne à l'étranger, qui musicalement a comme influence Vangelis, Hans Zimmer, Pink Floyd, donc de la musique un petit peu planante. Donc voilà, je voulais vous faire découvrir ce morceau de ce groupe que je ne connaissais pas jusqu'il y a peu. On est toujours dans la musique électronique avec un des fondateurs de la musique électronique française, Pierre-Henri, son nom ne vous dit rien, mais par contre le morceau que je vais vous passer va vous parler puisqu'il a été repris par différents DJ. Pierre-Henri est décédé il y a quelques semaines de cela, il avait 90 ans. Je vous laisse écouter ce morceau, ça s'appelle La Messe pour le temps présent, c'est sorti en 1969 et c'est très très psychédélique et très très électronique. C'était La Messe pour le temps présent de Pierre-Henri, l'un des fondateurs de la musique électronique française, qui est décédé il y a quelques semaines de cela. Oui, c'est un petit peu expérimental, hein, mais c'est l'un des fondateurs, donc c'est pour ça que je voulais vous faire découvrir ce morceau. On va continuer dans la musique électronique, on va revenir à des choses un petit peu plus traditionnelles, un peu plus classiques, avec R, le groupe versaillais, qui avait sorti sur l'album Moon Safari le titre Kelly Watch the Star, avec l'accent. Bye.
sur Variance FM avec Kelly Watch the Stars. Vous pouvez nous appeler pour toutes vos dédicaces. Je m'appelle Jerry. Vous pouvez nous appeler au 04 73 94 18 05. Alain attend vos appels pour toutes les dédicaces. On continue cette première demi-heure consacrée à la musique électronique française. On va revenir avec un autre morceau du groupe M83. Ça s'appelle Midnight City. C'est le morceau qui a le plus cartonné. Ça a été utilisé par TF1 lors de l'Euro 2012, lors des lancements publicitaires pour l'Euro 2012. Ça a été utilisé par la BBC lors des Jeux Olympiques de Londres. Donc ça a cartonné. Sur YouTube, vous cherchez cette chanson Midnight City, il y a 130 millions de vues. Donc c'est un énorme tube. Donc M83 avec Midnight City. M83 originaire d'Antibes avec leur hit Midnight City. Nous allons terminer cette première demi-heure consacrée à la découverte de la musique électronique française avec Sébastien Tellier et Broadway.
première demi-heure consacrée à la musique électronique, je vous ai fait découvrir un certain nombre de morceaux de groupes français consacrés à la musique électronique. J'en profite pour saluer Dominique qui vient d'arriver dans les locaux et qui va prendre la suite d'Alain au standard. Donc pour accueillir tous vos appels de dédicace au 04 73 94 18 05, nous sommes donc le 14 septembre. Merci d'être avec nous sur Variance FM. Dans quelques jours, c'est les journées du patrimoine. Donc j'aurai l'occasion de vous informer d'un certain nombre de manifestations gratuites organisées par les journées du patrimoine. Je vais commencer tout de suite par les journées du patrimoine organisées par l'aéroclub de Vichy qui propose les châteaux bourbonnais vus du ciel en avion avec un survol magnifique d'une demi-heure des châteaux donc du Bourbonnais. Donc pour tout renseignement, le survol des châteaux bourbonnais en avion, vous pouvez réserver en appelant le 04 70 59 88 28. Donc c'est l'aéroclub de Vichy qui organise ça à partir de 40 euros la demi-heure. Donc si vous souhaitez voir la région vue du ciel, vous pouvez vous rendre donc à l'aéroclub de Vichy, réserver un survol de la région. Également pour les journées du patrimoine, dimanche 17 septembre, donc dimanche prochain, de 10h à midi et de 14h30 à 17h, est organisée une journée porte ouverte au tribunal de QC, au palais de justice de QC, avec différentes manifestations, avec des présentations de scènes de crime, présentations du tribunal, des simulations interactives de 3 procès, un procès devant le conseil des prud'hommes, un procès devant le tribunal d'instance, différents types de procès, des conférences avec le procureur de la République, des simulations de procès pénal. Donc vous êtes invité, vous pouvez y aller, c'est gratuit. Donc profitez-en. Donc nous commençons et je reviendrai après sur les différentes manifestations qui auront lieu ce week-end pour les journées du patrimoine. Mais nous commençons maintenant avec les dédicaces, avec une première dédicace de la part de Johnny, Julien et Jérémy pour leur pépé et leur mémé. Nous allons écouter une valse irlandaise, la valse irlandaise. Et Ami, comment ça va ?